Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors désolée pour ça, j'ai tenté de faire un maquillage. Voilà comme ça, mais j'ai pas ma palette de maquillage. Du coup, c'est là j'ai fait que au feu sang et au latex. Du coup, ce n'est pas du tout réussi. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo comme ça parce que je suis trop content de la faire. Désolée, c'est mes parapluies. C'est un haul de ce que j'ai acheté pour Halloween. Je suis trop content de vous faire cette vidéo parce que ça fait un bon moment que je vous l'attends, que j'attendais de vous la sortir. Du coup, voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer dans tout ce qui est pour faire mes maquillages. Alors, tout d'abord, j'ai pris du latex 100 ml de chez Good Mark. Voilà, du latex liquide. Il est très liquide, faites attention. Il est comme ça. Très liquide. Après, c'est génial pour faire des prothèses, mais malheureusement, j'en fais pas. Après, j'ai acheté ce spray de faux sang. Désolée si j'ai m'enrouché en faisant ça. Toujours de Good Mark. Ensuite, j'ai pris du faux sang de chez toujours Good Mark. Je crois que la plupart des je crois tout ce qui est pour faire mes maquillages du nom de Good Mark. Là, on a de la cicatrice. Je vous la conseille pas, franchement, j'ai essayé comme ça peut se voir. Et en fait, c'est de la grosse merde, si je peux dire. Parce que, en fait, ça fait rien à part vous en mettre plein les doigts. Parce que ça colle aux doigts. Et quand vous l'étalez, ça vous fait comme du latex, en fait. Et je trouve ça pas trop génial, surtout que moi il m'en fallait pour plusieurs de mes demi-vidéos. Alors je vais faire avec, je vais essayer de m'entraîner de 49 le petit truc comme ça, pas trop, c'est un petit peu cher. Après on passe à un kit de pinceau, j'ai mal rangé celui-là, désolé, qui vient de la marque de Crylando que j'ai acheté à Lidl de Bayonne ou oui de Bayonne je crois. Il y en a 13 et là il vous en dit quoi? Moi je vais surtout utiliser la taille 2, 4 et 6, voire la 6, pas du tout l'utiliser. Après je crois qu'on passe à tout ce qui est déco. Alors tout d'abord on a cette nappe, voilà, qui vient de chez je sais pas, il n'y a pas de nom. J'ai acheté tous mes trucs sauf les pinceaux à la Farfouille, voilà. Du coup là il y a une nappe, je vais vous l'ouvrir, enfin essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Désolée pour le bruit. C'est une genre de toile. Par contre, les faux sang, pas trop quoi. Ils sont mal faits. Vous me voyez à travers. Là, il y a des taches de sang comme ça. Ça va, j'aime bien. Mais je rajouterai sans doute du faux sang s'il m'en reste pour Halloween. Ensuite, on passe à un verre, j'ai pris qu'un seul pour vous faire une idée de boisson dans les snacks d'Halloween que je vais faire le jour d'Halloween. Voilà, l'après-midi je pense. Du coup voilà, c'est comme ça. Il y a un chandelier, il y a deux petites citrouilles avec Happy Halloween. Il y a toujours ça, une sorcière, une lune et ainsi de suite. Ensuite, on passe à ce que vous voyez derrière moi.
C'est des bandes comme ça, désolé. C'est que je les ai ouvertes, c'est un petit peu galère quand vous les avez ouvertes. Alors sur la orange, il y a marqué en attention. Sur la noire, Beware, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et sur la bande jaune, il y a écrit danger. Je sais pas si vous pourrez lire parce que c'est à l'envers en fait. J'ai complètement zappé de la mettre à l'endroit. Un truc phare que je vais laisser pour la fin. Ça basique, hein, pour un seau pour mettre des bonbons assez profond, ça va. Je l'aime bien. Il est pas mal. Pas mal du tout même. Et puis après, on passe au dernier truc. Voilà, c'est ça. Je suis trop content. Il y a plein de paillettes comme vous pouvez voir. C'est une citrouille avec un petit truc en plastique. Et il y a une LED. C'est pas moi qui l'ai mise. Je ne savais pas. Au début, je croyais que c'était juste une citrouille comme ça. Et en fait, elle s'illumine. Du coup, je suis trop, trop content. Et pour le dernier achat, ce que je les appelle, c'est une toile d'araignée. Pardon. 556 grammes avec 4 araignées. Je vais vous montrer. Pardon, je vous disais que je l'avais déjà ouverte. Et du coup, ils sont comme ça. Je me dépêche à faire la conclusion de ce haul parce qu'il ne me reste pas beaucoup de batterie. Je vous montrerai la toile d'araignée que je mettrai là. Voilà, sinon je vous fais plein de gros bisous. Vous pouvez liker, vous abonner, pardon, juste en dessous de la vidéo et laisser la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sortirai des vidéos. Sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!